Bonjour à tous, je vais vous montrer un endroit où en fait les personnes rangent des petites bouteilles. Je trouve que c'est assez bien planqué. Voilà, vous la voyez la bouteille là? Voilà, c'est là. On est rue Louis Armand. Je vais ramasser un petit peu histoire de joindre l'utile et l'agréable. A bientôt, ciao. Bon, on est toujours rue Louis Armand. Et il y a une poubelle juste là, côté des voitures. Mais bon. Là. Et là. Donc en fait, je suppose que ce matin, je vais pouvoir récupérer encore pas mal de déchets. Je suis désolé de voir ça, mais c'est comme ça. Voilà, il faut se baisser pour ramasser. Donc merci aux marcheurs-cueilleurs. À bientôt. Donc on est toujours rue Louis Armand. Avec un accès réglementé, zone surveillée. Et nous avons un pneu, des enceintes et un phare de voiture, juste là. Bon, il y a une bouteille en plastique, des canettes de coca là-bas derrière. Bon, bah, la balade fut productive, hein. J'ai pas eu besoin de me balader très longtemps. Ça fait quoi? 5 minutes, même pas. Allez, on va dire 10 minutes d'arriver tranquillement. Je me trouve à un endroit que normalement certaines personnes devraient connaître. Bon, j'ai pas eu besoin d'attendre longtemps pour remplir mon sac complet. Voilà, il est complet mon sac. Donc il y a des bouteilles d'Heineken et puis après d'autres bouteilles. Alors, petit message, j'espère que ceux qui ont mis ces bouteilles là se reconnaîtront. Et puis j'espère que vous viendrez nettoyer vous-même ce que vous avez foutu par terre. Je vais pas faire la police, c'est pas mon rôle. Ce que je voudrais, c'est au moins prévenir que les déchets sauvages, c'est pas du tout une bonne chose pour nous tous. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.